bienvenue à cette réunion en ligne destinée à jeter un premier œil sur l'année 2021 qui a débuté il y a peu. J'espère que vous avez bien démarré cette année 2021, que vous n'avez pas perdu de votre optimisme malgré la situation actuelle. L'intention, c'est peut-être un peu tard pour vous souhaiter la bonne année, alors comme on a toujours un peu une tendance à prendre de l'avance à la stag et qu'on essaye de voir vers l'avenir, on va déjà jeter un œil vers Pâques et d'ores et déjà vous souhaiter joyeuse Pâques. Le pourquoi de cette réunion, la réponse, elle est simple, ou alors les Jones disent la question, elle est vite répondue. Vous, les intervenants, vous êtes régulièrement au front pour la stag et nous tous nous engageons pour le transport routier, nous avons un intérêt à faire avancer cette branche. Et pour que nous tous allions dans la même direction, il faut que nous ayons le même but. Et c'est possible uniquement si nous disposons de toutes les informations. Pour nous, secrétariat central, c'est un devoir de nous assurer que ces informations arrivent chez toutes les personnes concernées. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons aujourd'hui vous informer des points les plus importants pour l'année à venir. On entend souvent qu'on garde le plus important et surtout le meilleur pour la fin. Mais chez nous, le meilleur vient dès le début, à savoir les chaleureux remerciements du chef. Alors merci Reto d'avoir pris le temps d'être parmi nous. Je passe donc la parole à notre cher directeur, Reto Yaoussi. Oui, merci Pascal. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à cette séance d'information virtuelle. Je me réjouis beaucoup d'y participer. Il en va certainement de même pour nous tous. Rien ne remplace le contact personnel. Et j'aurais eu beaucoup de plaisir à faire votre connaissance lors d'une rencontre en présentiel. Mais là, la situation actuelle ne le permet pas. Quoi qu'il soit, je vous souhaite dans ce cadre une bonne année prospère et une bonne santé. Et je vous remercie de votre engagement pour la STAC et pour la branche dans son ensemble. Une branche qui prouve particulièrement durant la crise du coronavirus à quel point elle est importante et indispensable pour la Suisse et pour toute l'économie. La fiabilité et la qualité des prestations de transport sont irréprochables et incomparables. Quant à vous, en tant qu'intervenant, vous contribuez grandement à l'obtention et au maintien de cet haut standard. Mais également dans le domaine de la sécurité routière, vous permettez aux participants au cours de bien assimiler cette formation avec des cours intéressants et variés, ce qui leur permet d'appliquer ces connaissances et de les mettre en pratique, et nous vous en sommes très reconnaissants. Lors de la séance de ce jour, vous découvriez également les objectifs de la STAC pour l'année 2021. Nous avons beaucoup de projets. Et entre autres défis, nous tenons également à promouvoir le domaine de blended learning. L'association pense que ce thème lui permettra de jouer un rôle de pionnier pour la branche et elle aimerait utiliser les nouvelles possibilités pour rendre les formations encore plus attractives. Merci de nous aider à y parvenir. Donc, je vous souhaite une séance intéressante et j'espère pouvoir bientôt vous rencontrer personnellement. Encore une fois, un grand merci pour votre engagement. Merci. À toi, Pascal. Merci Reto pour tes paroles. Nous allons à présent passer en revue le programme de la soirée. Je vous laisse en prendre connaissance. Le chef vous remercie. C'est la partie que Reto vient d'assurer. Aujourd'hui, l'objectif général, c'est de renforcer l'identification des importants influenceurs que sont les référents vis-à-vis des participants au cours, de sorte à ce que vous soyez aussi mieux informés sur la stratégie et sur l'offre de la STAG et que vous puissiez donner aux participants des cours des informations sur la STAG et ses offres de formation, notamment de formation continue, en tant qu'ambassadeur finalement de la STAG. Donc, il s'agira de voir un peu quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles prestations dans la formation continue, d'avoir aussi un œil sur notre nouvelle offre de formation, sur les catégories de partenaires et puis différentes actions marketing qui sont prévues cette année.
Peut-être on va juste revoir quelques règles de fonctionnement de ces réunions en ligne. Ce qu'on vous demande, c'est toujours plus sympa, ça donne toujours une impression d'être malgré tout ensemble. Si vous le pouvez, c'est d'enclencher la caméra, de garder le micro muet, sauf lorsque vous voulez dire quelque chose, de lever la main si vous souhaitez dire quelque chose. On peut juste faire un petit test pour voir si vos mains se lèvent quand je vous le demande. Si vous avez trouvé la fonction pour lever la main, c'est cette petite fonction qui est là-haut. Apparemment, je vois que tout le monde, petit à petit, se raccroche. Ça m'a l'air tout bien. Vous pouvez la rebaisser. Merci. L'autre élément important, c'est qu'on a aussi un chat qui est inclus dans les fonctionnalités de Teams. Et puis, sur le fond, vous avez la galerie. Peut-être pour tester les fonctionnalités de chat, je vais vous poser une petite devinette, une petite question qui a trait, bien sûr, toujours à l'offre de l'Hashtag. Il y en aura peut-être d'autres en cours de soirée. D'après vous, combien de personnes ont participé en 2020 à un cours de formation de l'Hashtag en 2020? Je vous laisse répondre dans le chat. Vous pouvez simplement introduire le chiffre et puis je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Apparemment, vous êtes les timides. Ah, voilà, ça vient. Il faut encore monter un petit peu, à mon avis. Mais merci à Kader et Michel d'avoir mis le... Alors, parcours 16 personnes, oui, ça, c'est l'objectif, en effet, Pierre-André. Hein? Je crois qu'on atteint presque le bon chiffre. Jean-Yves, c'est assez proche, mais le plus proche, c'est François Pernoud. Il nous dit 12 000 chiffres, 12 000 personnes, 12 000 participants. En fait, on a eu en 2020 11 676 participants lors des cours de formation continue de l'Hashtag. Donc bon, apparemment, je constate que le chat fonctionne sans problème. Peut-être encore un élément, c'est que la réunion est enregistrée. Ça permettra d'une part que les personnes qui n'ont pas pu participer ce soir puissent la voir, respectivement, ça vous permettra aussi à vous de la revoir en fonction s'il y a des points que vous souhaitez revoir. On va aborder ce soir différents thèmes, mais on va commencer surtout par le fondement de nos actions en 2021, à savoir la stratégie et les objectifs de l'Hashtag. C'est pour ça que je donne la parole à Gallus Bürgisser, notre vice-directeur responsable de la formation, qui va nous donner un aperçu de l'année 2021 du point de vue notamment de la formation. Gallus, je te passe la parole. Gallus, tu bist stumm. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous aussi de mon part et merci pour le temps que vous mettez à disposition pour nous ce soir. La période Corona n'a pas été sans effet pour l'Hashtag. Lors du lockdown au printemps 2020, nous avons dû interrompre en quelques heures toute la formation et les examens pendant plusieurs mois. Nous devons générer 75% du budget de l'Hashtag avec des services dans le domaine de la formation et nous avons dû surveiller les liquidités de l'Hashtag et les dépenses ont dû être massivement réduites. En collaboration avec le comité de gestion et le conseil d'administration, nous avons révisé la stratégie et défini les points prioritaires pour cette année. Vous pouvez voir un résumé des objectifs de l'entreprise sur la slide. Nous renforçons l'influence politique de l'Hashtag. L'année Corona a confirmé plus que jamais qu'une association puissante est indispensable pour une branche comme la nôtre.
Notre ancien président central, Adrian Amstutz, et notre nouveau président, Thierry Burkhardt, ont un accès direct aux conseils fédéraux et peuvent donc faire pression au nom de notre branche en première ligne. Ce n'est pas non plus un hasard que nous pouvons encore donner des cours de formation continue et organiser des examens dans le secteur du transport routier. Des entretiens personnels avec le directeur de l'OFRU et les responsables de l'ASA y ont contribué. C'est pourquoi l'un des objectifs de l'ASTAC est d'intensifier le travail en réseau et le lobbying. Il s'agit également d'assurer un avenir solide et promoteur pour tous les acteurs du secteur, pour une branche qui est pertinente pour le fonctionnement de la société. Espérons-le que tout le monde a compris maintenant. Nous faisons avancer la digitalisation. Nous voulons utiliser les possibilités offertes par la communication virtuelle au sein de l'association et nos comités. Bien sûr, nous sommes également conscientes des limites de la digitalisation et sans doute les contacts personnels manquent et les conversations informelles se perdent, c'est clair. Cependant, la digitalisation rend également de nouveaux moyens, comme la réunion maintenant sans déplacement. Hier, on était en Argovie, maintenant en Suisse romande et à 18h déjà au Tessin. C'est-à-dire la digitalisation le rend possible. Nous encourageons le conseil et le service sur le terrain. L'accent est mis sur le contact avec nos membres, qui sont essentiellement notre raison d'être. Nous voulons et devons acquérir de nouveaux membres et partenaires. Nous voulons et devons augmenter notre part de marché dans le secteur de la formation continue. Pour cela, nous dispendons de votre soutien. Personne n'est plus proche de nos membres et de nos clients que vous, les conférenciers. Nous nous concentrons sur les compétences essentielles. Nous mettons l'accent sur la qualité de nos cours. Nous connaissons la branche, nous sommes issus de la branche et nous transmettons notre savoir-faire. Notre conférencier marketing enseigne aux futurs chefs d'entreprise, vous devez vendre de la valeur ajoutée pour les clients et non des rabais. ASTAC suit également cette philosophie et ce qui concerne la formation continue, car nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre la guerre des prix qui se déroule actuellement sur le marché de la formation continue de la OACP. Toutefois, nous profiterons de l'année en cours pour réévaluer notre offre et nos services. Voulons-nous vraiment tout offrir? Il est bien connu que parfois, moins, c'est plus. Nous voulons nous concentrer sur la digitalisation. Avec e-learning dans la formation continue de la OACP, nous nous sommes attaqués à un chemin escarpé et chaotique il y a environ 4 ans. Entre-temps, nous avons pu former avec succès des centaines de conducteurs dans toute la Suisse. Des centaines de pages de rapports d'évaluation et de réflexion ont été produits pour l'ASA. Avec le e-learning, nous avons même reçu une contribution de l'IRO, International Road Union, pour ce projet Innova. Et la directive européenne révisée permet désormais le e-learning dans le secteur de la formation des conducteurs. Il semble maintenant que e-learning sera également inclus dans la prochaine révision de la directive qui est prévue pour cette année sur la formation des conducteurs OACP. Cependant, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas remplacer votre important travail par le e-learning. Non, votre travail deviendra encore plus important et plus exigeant. Concrètement, il s'agit d'un blended learning, comme vous pouvez le voir sur la slide. Actuellement, l'ASTAC est certainement un leader dans ce domaine et nous voulons le rester. Nous voulons digitaliser notre matériel didactique et aussi adapter nos processus de formation de base et continue aux nouvelles exigences. L'examen OACP en est un exemple. Comme vous le savez, le contrat pour l'examen a été résilié et les routiers suisses et l'ASTAC ont soumis une offre. Vendredi prochain, une audition aura lieu de l'ASA, à l'ASA, digitalement bien sûr.
L'une des questions est de savoir comment l'ASTAC entend convertir les questionnaires d'examen actuels du papier au digital à l'avenir. Voyez, nous sommes mis au défi et nous avons probablement bien fixé l'objectif. Finalement, une question aussi de ma part, une question d'estimation. Combien de visites ont été enregistrées sur le site web de l'ASTAC www.astac.ch en 2020? Veuillez écrire votre réponse dans le chat, s'il vous plaît. Combien de visites sur le site Internet de l'ASTAC en 2020? En 50 000. Qui dit mieux? Oui, entre 30 000 et 350 000 en un peu tous les chiffres. Vraiment, on a eu l'année passée 1,05 million des consultations sur le site Internet de l'ASTAC. Et avec cette réponse, retour à la régie, Pascal, merci. Merci Galous pour ces informations très, très intéressantes. On va passer maintenant aux faits marquants, ce qu'on attend un peu de 2021. D'une part, on va poursuivre cette exposition Vivre la logistique au Musée des Transports, où l'ASTAG est l'une des associations, des organisations qui sont associées. Et puis, nous allons à nouveau organiser au mois d'avril, on l'espère, des Truck Days, c'est-à-dire offrir la possibilité au grand public de conduire un camion sur le modèle aussi de ce qui a été fait notamment par la section Neuchâtel-Jura avec les conseillers en orientation. Il y a aussi d'autres actions qui sont prévues, mais avant tout, peut-être une petite question. Combien est-ce que vous pensez qu'il y a eu lors de la première édition des Truck Days, c'était aux vacances d'automne 2020, combien est-ce qu'il y a eu de courses qui ont été faites pour le public. Je vous laisse répondre dans le chat. Pour rappel, il y a eu environ 10 jours, pendant 10 jours, les Truck Days. Bernard, tu as mis le chiffre par jour, je pense, c'est ça. Ah, voilà, on a trouvé. Bravo Bernard, oui. Effectivement, sur 10 jours, on a fait environ 1 000 courses pour accompagner de grands publics, que ce soit ben voilà, des enfants, des parents. Et puis je pense, on l'a vu aussi, Bernard pourra le dire, avec la section Neuchâtel-Jura. C'est un vecteur important pour que les gens se rendent compte aussi de ce que c'est que d'être derrière un camion, derrière le volant d'un camion. En ce qui concerne les autres points importants pour l'année 2021, ce qu'on souhaite développer, c'est comme aujourd'hui finalement les web events, c'est-à-dire des événements en ligne, tout en essayant de les rendre conviviales. On espère que celui-ci le sera. Ce qu'on doit aussi mettre en avant, c'est la relevance systémique, la nécessité absolue du transport routier pour l'approvisionnement de la Suisse et l'élimination des déchets. Et là aussi, on veut mettre plus l'accent au niveau du marketing de l'ASTAG sur cette absolue nécessité. Autre élément, le Hippibus, c'est un ancien car de la Migros que l'ASTAG est en train de rénover et qu'on souhaite ensuite pouvoir utiliser lors des différentes manifestations, que ce soit pour la promotion du métier, au Trucker Festival à Interlaken, etc., etc.
Et puis un autre élément important, bien sûr, en novembre, c'est la foire transport.ch, la foire de la branche, où on espère bien à nouveau pouvoir être présent en réel et non plus de manière virtuelle. Pour chacun de ces événements et faits marquants qui sont prévus en 2021, le point central pour la STAG comme prestataire de services est et reste toujours le transport routier, et aussi c'est toujours finalement qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution innovante à la branche. Mais qu'est-ce que ça veut dire des solutions innovantes et qu'est-ce qui est en cours de développement dans le laboratoire d'innovation de la STAG? Je vais passer la parole maintenant à Sven Ekman, qui est en charge de la coordination du centre de compétences de Cossonay et du conseil à la clientèle pour la région suisse romande, qui pourra vous en dire davantage. Sven, je te passe la parole. Voilà, merci beaucoup. Ces messieurs, bonjour. À moi aussi, je vous remercie de participer aujourd'hui à cette réunion. J'aurai également le plaisir, j'espère, de vous voir bientôt physiquement et en vrai. Beaucoup de choses qui se passent aussi dans la digitalisation, on en a parlé tout à l'heure. En l'occurrence, un des produits dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou déjà eu affaire pour donner peut-être des cours, c'est le produit Click and Easy, pour lequel il est clairement le but d'offrir une offre attractive avec des solutions innovatives à un tarif tout aussi attractif. Avant de trop en parler, peut-être regarder la petite vidéo que Pascal va starter tout de suite. Tu as le contrôle, Sven, tu peux la starter. Ah, merci, excuse-moi. Tac. Bien, voilà. Je pense que la vidéo est parlante d'elle-même. Tu me reprends, Pascal? Je l'ai redonné, c'est pas, il est revenu chez moi, mais tu peux prendre, c'est bon. Ok, bon. Alors moi, je n'ai pas d'autres slides à passer, mis à part ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, la vidéo est parlante d'elle-même et peut-être aussi pour permettre de clarifier un petit peu des choses. Je pense que le produit Click and Easy, e-learning, c'est vraiment l'avenir de la digitalisation de la formation. C'est pour nous et pour vous, messieurs, pas forcément moins de cours. On a plutôt envie de dire bien au contraire. Ce produit-là est une chance pour nous de développer un autre marché en parallèle qui s'adresse à des employeurs qui sont très sensibles sur les coûts, sur la durée et sur les participants qui, eux, ne vont plus qu'une demi-journée à un cours présentiel une fois qu'ils ont fait, en fait, leur tâche équivalente à 3 heures de théorie en travail individuel à domicile ou sur leur smartphone ou au travail, c'est égal sur quel support. Donc là, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'on ne cannibalise pas le marché que nous avons déjà actuellement avec les cours normaux au ACP, mais que c'est un produit supplémentaire qui permet d'être attractif et de venir s'ajouter aux autres prestations de formation que nous avons déjà. Là-dessus, viennent s'ajouter encore tout ce qui concerne le single et team. Mais là, normalement, il y a un slide avec ça. Voilà, merci, avec mes excuses. Voilà,
C'est également une nouveauté qu'on a. Donc, c'est un produit qui permet de participer à titre individuel ou en équipe. Donc, ce n'est pas forcément un cours d'entreprise. C'est aussi des petites PME qui ne peuvent pas faire des cours d'entreprise, qui ne sont pas suffisamment nombreux pour participer à ce type de cours. Et avec ce type de cours-là, on peut participer à un tarif qui est aussi attractif à ce genre de formation et autres. Le flyer, là, vous donne aussi un peu une idée du tarif dégressif à partir de 5 ou à partir de 10 participants. Je pense qu'avec ces deux innovations au niveau de l'e-learning, de la formation numérique et autres, on est aussi en bonne voie pour permettre à nos membres, et nos membres, en parenthèse, important, de participer à des conditions qui sont celles qui sont propres au marché aussi. À des... Voilà. Ça m'amène sur le point suivant qui est le Last Call. Last Call, c'est un produit qui est plutôt, si vous voulez, le changement est nécessaire. Aujourd'hui, en Suisse romande en particulier, on a beaucoup de cours et nos cours ne sont pas complets. On a souvent été amené à devoir annuler des cours par manque de participants et c'est un petit peu une situation délicate en Suisse romande puisque nos membres nous reproche un petit peu d'annuler parce que pas assez de monde. Et de l'autre côté, ben, évidemment, comme association, on ne peut pas faire des cours tout le temps à perte. Ce n'est pas possible. Donc, il a fallu trouver une solution. Et pour ça, je pense que l'Astag est innovative. Le changement est nécessaire. Les revenus générés par les formations sont d'une importance centrale pour l'association. Elles représentent 75% de notre budget. Il faut quand même le savoir. Et la rentabilité des cours, ben, forcément, a un effet direct sur ceci. Donc, il s'agit clairement de compléter les cours et de ne plus avoir besoin d'annuler. C'est un système qui est basé un petit peu sur le principe proche du last minute chez les voyagistes. En fin de compte. Donc, on ne va pas cannibaliser le marché en ouvrant simplement un portail Internet avec du last minute et puis les gens viennent se servir. Il s'agit ici d'avoir des tarifs qui sont quand même maîtrisés. On ne va pas faire du dumping non plus, mais on va avoir des entreprises qui vont être intéressées, spécifiques, qui doivent être membres, important aussi, et puis qui seront, elles, sur une liste et qui vont recevoir, peut-être que la semaine prochaine, il restera 4 places, 5 places pour une formation que l'un d'entre vous donnera peut-être. Et peut-être, plutôt que de devoir annuler ce cours par manque de participants, eh bien, ces entreprises-là auront la flexibilité nécessaire pour envoyer 1, 2, 3, 4 personnes et profiteront à ce moment-là d'un tarif plus attractif, ce qui nous permet à nous d'amortir les coûts du cours et à l'entreprise de profiter, ma foi, de conditions améliorées. Ceci sans en faire une cannibalisation du marché. C'est extrêmement important. Voilà. Ce produit devrait être actif plus ou moins à la mi-février. Voilà. Donc, c'est aussi important pour nous tous et pour vous, référents et autres, bah, faites un petit peu aussi autour de vous la publicité de tout ça, un petit peu. Le team, comme j'ai dit avant, le click and easy, le e-learning, le last call, certaines entreprises. Si vous avez des informations, des entreprises intéressées et autres, vous entendez des choses, n'hésitez pas à m'y faire remonter et autres. Et puis, je prendrai contact avec eux pour définir la suite à deux. Et puis, puisqu'on parle d'innovation, on parlera maintenant de la nouvelle offre de formation. Le but de la digitalisation a été évoqué plein de fois et à maintes reprises tout à l'heure. Donc, l'offre de formation, comme vous la connaissiez à l'époque sur papier, n'existe plus. Elle est depuis cette année uniquement en version digitale. Elle est en ligne déjà depuis à peu près un mois. Pour ceux qui ont reçu la newsletter, c'était aussi dedans. Il y a une information sur ça. Donc, les nouveaux cours sont publiés. Ils comportent dedans une recherche dynamique directement des cours, par les lieux de cours, sur les thèmes de cours, et ainsi de suite. Je pense que le mieux pour ça, c'est qu'on vous fasse une petite démonstration tout de suite sur comment ça fonctionne. Je vais vous montrer ça. Le temps de charger la page. Tac, voilà, on est là, ici. Voilà. Alors, en principe, vous devez voir ce que je vois, à savoir la carte de la Suisse. Pascal, tu hoches la tête, c'est bon? Oui, je vois ça. Voilà, excuse-moi, merci. Alors voilà, vous avez ici l'offre de formation, donc on va aller au tout début d'abord, qui se présente ainsi. Elle se veut dynamique, donc vous pouvez la feuilleter tout simplement en tirant avec la souris. Vous pouvez appuyer sur la petite flèche sur la droite pour avancer les pages. Et puis, vous aurez par exemple ici la carte de la Suisse avec les différents lieux de cours et autres. Vous voyez peut-être aussi, très important pour nous en Suisse romande, qu'on a un petit peu étoffé les lieux de cours
parce que je pense qu'il est très important qu'on soit plus proche de nos membres aussi. Tout le monde ne peut pas venir à Cossonay. Donc, on a décidé cette année de faire encore un test, d'essayer de remplir un petit peu les cours de manière plus proche. On en a, par exemple, bon, Cossonay, évidemment, Pozieux, donc c'est le centre, l'Institut agricole, c'est à Grangeneuve en réalité, mais c'est commune de Pozieux. Nous avons Genève qui vient aussi. Nous avons un lieu à Sion. Vous avez ici dans le Jura à Courtetel où il y a aussi un cours. Et vous choisissez ici le lieu où vous voulez faire votre cours. Je vais prendre Cossonay parce que c'est celui qui est le plus parlant et autre. Quand on va l'ouvrir, vous y voyez toujours normalement, ça vous affiche la carte de la Suisse et puis vous avez dessous directement les cours qui sont disponibles sur ce site-là. Donc là, on ne parle que de Cossonay. On voit très bien ici à droite Cossonay. Je referme cette fenêtre. Je reviens à notre cours ici, à notre offre de formation. Ça nous permet de cliquer à la suite aussi. Vous avez, comme d'habitude, les explications sur les divers types de cours. Et très important, et c'est là que ça devient drôlement sympathique, c'est que vous avez ici la totalité des cours que nous avons, y compris les cours e-learning, Click and Easy, qui sont ici en haut. Et pour vous montrer un exemple, si je prends ici le cours OTR, tachygraphe numérique, utilisation de l'émotac, c'est un thème qui va peut-être m'intéresser, je clique là-dessus. Et ceci m'amène directement à la page où vous allez trouver ce thème avec des explications un tout petit peu plus fournies. Si je suis intéressé que je veux m'inscrire, je peux cliquer ici sur la droite, réserver le cours, je clique dessus et je suis directement redirigé sur la page du cours avec les détails concernant le participant, le contenu du cours, le prix du cours et puis la possibilité ici de s'inscrire, de réserver le cours. Là, vous voyez par exemple qu'il y en a un à Courtetel, dans le Jura, et puis celui de Pozieux qui sont ici en ligne. Donc ça se veut être une offre dynamique, vivante, et puis qui permet vraiment de pouvoir, de manière extrêmement simple, s'aider aux divers cours, aux diverses formations et aux inscriptions. La nouveauté aussi dans cette offre-là, c'est que nos partenaires et annonceurs qui font la publicité dans ce support-là ont aussi, comme là, on a une société, Lance & Marty en l'occurrence, elle est directement reliée, si je clique dessus, on arrive directement sur le site de notre partenaire ou de l'annonceur, ce qui permet aussi au niveau commercial de renforcer un petit peu les liens. Voilà, c'est la disparition de la version papier qui nous amène là à cette version numérique de l'offre de formation. Je retourne dans l'autre truc. Hop, là. Alors là. Voilà. Temps de réaction. Voilà. Temps de réaction parfois un petit peu longuet, mais ça joue. Voilà. Donc ça, c'est la partie importante. On a pu voir comment ça fonctionne, la facilité avec laquelle ça peut s'utiliser. Le but pour nous, c'est d'avoir une visibilité accrue sur le marché. Les membres et non-membres s'identifient à l'offre de formation. Ça leur permet d'être beaucoup plus rapide dans le choix de ce qu'ils veulent faire. Je vous invite vraiment à tester ça par vous-même sur le site astac.ch, sous cours, vous verrez, c'est tout en haut, il y a une grande ligne orange, vous le verrez, pas de problème. Des avantages qu'il y a aussi pour nous, c'est que c'est accessible en tout temps, les modifications, les compléments, les mises à jour sont en permanence possibles, c'est une utilisation plutôt intuitive, et puis les inscriptions se font directement via les thèmes, ce qui est quand même un très très gros plus de notre point de vue en tous les cas. Voilà. Voilà, pour ma part, ça sera gentiment tout au niveau des prestations et de la formation. Je repasse donc la parole à Pascal Fragnet. Merci Sven pour ces explications les plus intéressantes. On le sait, on est d'accord sur le fait que la formation est extrêmement importante, que ce soit bien sûr l'OACP, mais également la formation continue, la formation professionnelle supérieure. Mais tout cela commence en fait dès l'apprentissage. Et en tant qu'association de branche, notre souhait, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner, conseiller les acteurs du transport routier durant tout leur parcours professionnel. C'est pour cela que la STAG a jeté les bases au cours des deux dernières années en créant des nouvelles catégories de partenariats. Concrètement, je vous propose de démarrer avec un petit film pour vous présenter tout cela et puis on résumera par la suite.
L'ASTAG est l'Association suisse des transports routiers. Peu importe si tu es actif dans le transport ou dans la logistique, en tant que membre ou partenaire de l'ASTAG, tu es toujours gagnant. Tu es entrepreneur dans le domaine du transport et tu possèdes tes propres véhicules, alors en tant que membre dans l'ASTAG, tu es au bon endroit. Nous nous occupons de tes préoccupations politiques, répondons à tes questions techniques et juridiques et t'aidons à assurer la relève. Nous allégeons ta charge grâce à nos nombreuses prestations. Tu es entrepreneur mais ne possèdes pas de véhicule de transport. Tu souhaites toujours être bien informé de ce qui se passe dans la branche du transport et tu veux profiter de conditions préférentielles sur nos prestations et nos produits? Alors tu es notre partenaire Basic Business. Tu es entrepreneur mais ne possèdes pas de véhicule de transport. Tu souhaites disposer d'un grand réseau et est intéressé par un échange constant avec des partenaires commerciaux. Alors, tu es notre partenaire Premium Business. Tu es actuellement en formation pour devenir un pro de la route? Alors, tu es un partenaire junior de l'ASTAG. Tu bénéficies d'offres sympas pour des billets, de primes d'assurance avantageuses et de bien d'autres choses encore. Tu te sens au volant comme à la maison et tu as encore de grands projets pour ton métier. Alors, tu es un partenaire profi de l'ASTAG. Tu es toujours bien informé sur le monde du transport et seras bien soutenu dans la planification de ta carrière. Tu as déjà un niveau de responsabilité plus élevé dans ton travail quotidien, en tant qu'agent de transport et logistique ou responsable en transport et logistique. Alors tu fais partie du Master Club de l'ASTAG. Tu bénéficies d'un réseau exclusif et es en contact direct avec d'autres décideurs, membres de l'ASTAG ou partenaires de l'ASTAG. Avec nous à tes côtés, tu es toujours gagnant. Là, concrètement, et si on reprend l'aperçu en résumé, on a d'une part les membres, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent des membres actifs, c'est-à-dire des entreprises qui sont elles-mêmes, qui sont propriétaires de véhicules et qui effectuent des transports. Par contre, on a étendu finalement les anciennes catégories de membres passifs pour créer ces nouvelles catégories de partenaires. On a des entreprises, donc les basic ou les premium business, ça c'est des catégories qui ont déjà été introduites en 2020. On a également la catégorie master, le master club a été fondé sur la base de l'ancienne association des agents de transport, le VSTD en allemand, qui est en route depuis 2020 également. Et puis, on a ces nouvelles catégories juniors et profits qui vont être introduites dès cette année 2021. Notre objectif avec ces catégories, et puis l'accent principal est mis sur la carrière professionnelle et sur la création d'entreprises. Et l'idée n'est pas d'entrer en concurrence avec les routiers suisses. En parallèle, l'intention est également de développer un portail d'informations pour leur carrière, de sorte à ce que les adhérents, les membres partenaires puissent recourir à l'ASTAG comme tout au long de leur carrière professionnelle. Notre intention, c'est d'être le premier interlocuteur pour toute question ou tout conseil dans le cadre du parcours professionnel et entrepreneurial dans la branche du transport. C'est ainsi que ces nouvelles catégories ont été définies et puis elles pourront à présent être lancées. Bien entendu, les intervenants lors des cours peuvent aussi être des ambassadeurs à ce sujet, mais là, j'y reviens. Je reviens justement sur notre but commun. Notre but commun, c'est que les gens reviennent au prochain cours. Mais pour ce faire, il faut que nous travaillions tous ensemble. Et vous tous, les intervenants, vous êtes une partie importante de la réussite de l'ASTAG. Vous portez nos actions et nos innovations vers l'extérieur. Et en fin de journée, effectivement, nous avons tous un même objectif, que les participants au cours assistent à nouveau au prochain cours avec nous. Et c'est un point sur lequel nous souhaitons justement mettre plus l'accent à l'avenir pour rendre l'offre de cours de l'ASTAG plus attractive pour les participants. Parce que personne, finalement, en tant qu'intervenant, personne d'autre n'a un lien aussi étroit avec nos participants de cours.
C'est pourquoi à l'avenir, nous fournirons des informations que vous pourrez également transmettre aux participants des cours. Concrètement, il y a trois types d'actions qui sont prévues. D'une part, placer des flyers sur l'offre de formation sur les tables des participants. Ainsi, les participants peuvent, lors des pauses, bien entendu, éventuellement déjà cliquer, naviguer, réfléchir au prochain cours qu'ils souhaiteraient suivre. Ces flyers seront bien entendu envoyés avec le matériel de cours. Ils seront imprimés par le secrétariat central et vous en disposerez au même titre que tout le reste des documents de cours. Et puis, en parallèle, on souhaiterait justement aussi mettre en avant notre offre de formation et puis l'information sur les catégories de partenaires. Donc, on propose que ça passe par deux séquences. Une petite séquence de 5 minutes après la pause du matin, où vous pouvez également présenter l'offre de formation ainsi que l'a fait Sven tout à l'heure. Et l'après-midi, après le repas, la vidéo sur les catégories de partenaires de la STAG. Bien entendu, ces présentations vous seront aussi fournies par le secrétariat central. Notre objectif, et ça doit être notre objectif commun, c'est que les participants fassent leur prochain cours chez nous, c'est-à-dire à la STAG. On en vient gentiment à la suite, notamment sur l'année 2021, toujours, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, je vais peut-être juste poser la question à Galus Würgisser concernant la formation continue des intervenants en 2021. Galus, peux-tu nous en dire plus? Oui, merci. Nos responsables de cours décideront en fonction de la situation si une formation continue virtuelle ou présente est nécessaire. Toutefois, vous recevrez du courrier de notre part dans les prochaines semaines. Non, pas un paquet avec une bière. Cependant, nous avons besoin de votre attestation de formation continue pour notre recertification ISO, si vous avez fait quelque chose, formation continue pour les moniteurs ou d'autres choses. Nous avons également besoin d'une déclaration de consentement de votre part pour que nous puissions mettre votre dossier personnel à la disposition de l'ASA. Ceci est nécessaire pour la certification en tant que formateur OACP. Il s'agit d'une affaire en cours avec l'ASA qui garantit la protection de vos données. Et nous vous enverrons également les dernières directives de l'ASTAG pour les formateurs de cours. Dans le domaine de la formation continue de l'OACP, nous n'avons pas seulement les cours les moins chers, ce sont probablement aussi les formations continues les plus contrôlées en Suisse et même en Europe. Nous avons de nombreux audits VASR, le Conseil suisse de la sécurité routière, et nous vous demandons de respecter strictement les directives. Nous vous demandons donc de relire les lignes directives en toute tranquillité et bien entendu de les mettre en œuvre dans les cours de formation. Merci pour votre soutien et retour à Pascal. Merci, Galus. Autre événement à venir, comme vous le voyez sur le slide, on espère cette année que le Trucker Festival d'Interlaken pourra avoir lieu à la fin juin, début juillet. Et puis ensuite, comme on l'a déjà évoqué, viendra à l'automne, en novembre, le temps de transport CH. Et c'est à cette occasion-là que nous souhaiterions pouvoir à nouveau réunir l'ensemble de nos intervenants en présentiel, comme on dit aujourd'hui, pour un apéritif sur le stand de la STAG. Petite remarque, les contenus donc, des différentes présentations vous seront encore transmis, ainsi que les flyers. On arriverait au terme de cette réunion d'information. Je voudrais encore laisser la place à des questions s'il y a lieu. Je vous laisse peut-être lever la main s'il y a des éléments qui vous souhaiteriez encore, sur lesquels vous aimeriez encore des précisions, comme on a un tout petit peu d'avance, que ce soit Reto, Franco Di Girolamo qui est également ici, ou Daniel Moser, Marco Scherer, tous mes collègues sont là à votre disposition. Si ça semble
pas être le cas. Je vais quand même vous poser là encore une toute petite dernière question. Ça, c'est ce qui concerne le nombre de nouveaux apprentis qui ont commencé à l'automne 2020 une formation de conducteur de véhicules lourds. Quel est ce nombre à votre avis? C'est une information qui est publiée dans le hashtag actuel 9-10 pour ceux qui cherchent rapidement. Toujours dans le même sens, ça va en augmentant depuis le premier chiffre. Mais c'est juste, je vois que Claude est encore en train d'écrire. Donc je vais juste le laisser terminer son chiffre. Ah ouais, Kader, 250. Alors, la vérité se trouve entre 250 de Kader et les 340 évoqués par Bernard. On a 304 apprentis qui ont commencé une formation de conducteur ou conductrice de véhicules lourds à l'automne, ce qui représente un record malgré l'année Corona, malgré la situation difficile. On constate qu'au niveau suisse, les entreprises n'ont pas renoncé à la formation professionnelle. Bien au contraire, et je crois que c'est à saluer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et votre participation ce soir. Et avant, bien sûr, de vous laisser, de repartir, je vous souhaiterais quand même pouvoir trinquer avec vous à la réussite de cette nouvelle année, tout en vous remerciant, bien sûr, pour votre participation. Allez, santé à tous, et puis on espère vraiment pouvoir vous rencontrer très prochainement en personne et non plus chacun calfeutré dans son douillet intérieur. Allez, au plaisir, merci beaucoup, et puis excellente fin de journée et santé. Alors santé et merci, à bientôt. Merci Michel, ciao. Santé Michel, santé à tous. Allez, santé. Merci à vous. Bernard. À bientôt. Bonne soirée. Tout bon. Bonne soirée.